On va travailler la partie intérieure de l'œil jusqu'au milieu. Après, on va travailler la partie extérieure de l'œil pour rejoindre le milieu de l'œil. Et après, on va remonter l'œil à la fin. Alors, on regarde devant soi. Forcément, avec le pinceau, on va juste passer sur le ras du cil. Voilà. Et là, si, oh pardon. Là, si je vois bien, je vais juste faire des petits tapotements pour avoir montré. Quand on a dérapé, pas de panique, on laisse la petite tache. On va l'effacer une fois qu'on aura terminé. Et là, c'est pareil. Donc, je vais tapoter un tout petit peu pour rejoindre justement. Voilà. La montée est faite. Ensuite, je vais juste insister sur le point. En regardant l'air, et je vais fermer l'œil sans rajouter de la matière pour avoir un résultat plus harmonieux. Il y a des étapes. Quand on veut se maquiller hyper naturellement, donc un maquillage de jour, on va mettre une base simple, claire, donc sur toute la paupière. Et après, on va mettre son trait d'eyeliner et du mascara. On n'oublie pas de travailler un tout petit peu ses sourcils aussi. Quand on veut faire un maquillage du soir, on va déjà maquiller sa paupière avec deux ou trois couleurs de fard à paupières. On va mettre son mascara avant et après, en dernier, on mettra son eyeliner. Pourquoi mettre le mascara avant? Le site va être gainé et recourbé, ça sera plus facile pour l'utilisatrice de faire son trait d'eyeliner.